Bonjour à tous, je suis Sophie Germain-Laurendeau, la bibliothécaire, et aujourd'hui, le 13 février, c'est la journée mondiale de Darwin. Alors, c'est consacré à Charles Darwin qui a émis l'hypothèse de l'origine des espèces qu'on peut retrouver dans son livre du même nom. Alors, voici, moi, je vous suggère, il y a Wikipédia, il y a une très belle page sur Darwin, sur le darwinisme. Et vous voyez, le darwinisme désigne en son sens strict la théorie formulée en 1859 d'origine des espèces par le naturaliste anglais Charles Darwin, qui explique l'évolution biologique des espèces par la sélection naturelle et la concurrence vitale. Alors ça, c'est une thématique qui est très connue, c'est une hypothèse très connue dans le domaine scientifique. Voilà, et chez Renaud Bray, on retrouve quelques livres sur Darwin, mais en fait quelques, quand même plus que 400 titres avec Darwin. Chez Chapters aussi, on retrouve plus de 5000 résultats, on en retrouve toujours plus en anglais qu'en français. Et le darwinisme ici est appliqué autant chez les plantes que chez les animaux. C'est appliqué sur toutes les espèces vivantes. Chez Amazon, on entretrouve aussi de nombreux titres. Regardez, plus de 20 000 résultats avec Darwin. C'est quand même impressionnant. Et à la Bibliothèque nationale, si vous voulez emprunter un livre, c'est 1 400 titres. Je vous invite, pardon, à aller voir mon site web, labibliothécaire.com. Vous allez y trouver une boutique en ligne avec des produits dérivés, comme des bouteilles d'eau, des tasses de café. Quoi de mieux que de lire un livre avec un bon thé ou un bon café? Alors, allez voir, j'ai une entente entre autres avec Maman Caféine et d'autres auteurs. Vous trouverez ça vraiment intéressant et vous trouverez aussi des articles de blog sur différents sujets dans mes chroniques. Alors, n'hésitez pas à aller le consulter, labibliothécaire.com. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Bibliothécaire, pour d'autres suggestions de livres. Voilà. Alors, sur ce, je vous invite à venir voir de nouveau mon émission La Bibliothécaire demain sur un autre sujet et je vous dis bonne journée. À bientôt. Bye tout le monde.